le retire. Nous montrons notre caméraman, c'est toujours vu ça, il agit. Il est assez loin de moi. Donc on continue. Donc là, on utilise un indicien, on va déterminer un argument d'un nombre complexe imaginaire pur avec B, différent de 0. Donc, bon, ça se voit là que le B, bon là, c'est très simple. Le BI, c'est 0 plus B point I. Donc les coordonnées du point B sont bien 0 et petit B. C'est un point de l'axe D, je connais. Et on a les deux cas. Là où le B est strictement positif, donc le vecteur image du complexe BI, ce serait que le vecteur OB. Et on avait vu dans la définition d'un argument, on va prendre une mesure de l'angle de 1 OB. Là, je ne touche pas. Je prends cette mesure-là, qui vient, quand on dit un petit peu, cette mesure-là, qui n'est que le pi sur 2. Je dois encore de prendre cette mesure-là, moins pi sur 2, moins 2 pi sur 2, c'est moins pi, et là c'est moins 3 pi sur 2. Là c'est moins 3 pi sur 2. Là, de l'ordre orienté E1 au B. Je reprends là. E1 au B, c'est pi sur 2, ou encore moins 3 pi sur 2. Ce sont deux mesures différentes d'un même angle. Si on fait la différence, on va trouver le moins 2 pi et le 2 pi. Donc, ils sont bien congrus, modulo 2 pi. Maintenant, là, je vais passer à calcul du module de BI. Là, c'est le B que multiplie le module de I. Donc, c'est la propriété des modules. Le module du produit, c'est le produit des modules. Il est bien évident que le module de I, c'est 1. Le module de I, c'est 1. Donc, est-ce le module de B? Comme le B est strictement positif, là, comme le B est strictement positif, là, ça va être égal à B. Donc le module de BI, c'est B. Et par conséquent, le BI se peut imaginer, va s'écrire B1 pi sur 2, ou moins 3 pi sur 2. La même chose. Moins 3 pi sur 2. Maintenant, je vais passer au cas B négatif. Donc, le point B, c'est bien compris maintenant. Toujours, les coordonnées sont 0, B. Là, on a le B et le B, je l'écris là. Là, c'est le grand B. Deux figures indépendantes. Et pour gagner du temps, d'accord, je travaille sur la même figure. Donc, le vecteur OB, voilà. Et donc, un argument de BI, donc là, un argument de BI ne va être qu'une mesure de l'angle EN au B. Bien sûr, dans la hiérarchie, un angle direct, là, ça correspond aux sources positives, c'est bien connu ça. Là, c'est un angle droit. Négativement, donc c'est moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Je vais utiliser un stylo bleu comme ça. Là, cet angle-là, ce n'est que le moins pi. Alors, mesure cet angle. Je vais prendre encore cette mesure-là. E1, OB, pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc, ce sont deux mesures du même angle. Là aussi, on a d'autre part 1. Donc, on a le module de BI directement, c'est le module de B qui n'est que la proportion de B, puisque le B est strictement négatif, c'est moins B. D'où, là, d'où, complexe BI se forme en algébrique.
A moins B moins pi sur 2 ou bien le 3pi sur 2. C'est-à-dire, en conclusion, lorsqu'on prend un complexe PI, c'est-à-dire l'imaginaire mu, avec B strictement positif, un argument de PI c'est pi sur 2 et le module c'est B, la distance au B là. Lorsque B est strictement négatif, là, l'argument va être, un argument va être moins pi sur 2, et là, le module c'est moins B qui est strictement positif. Ceci étant dit, avec cette remarque là, ou cette remarque, on peut utiliser directement là, ces relations là, ces résultats là, ensemble. Lorsqu'on les comprend, de bien évidente. Là, maintenant, passer à ta prochaine qui va concerner les propriétés avec calcul sur le plan trigonométrique. Là, on a une propriété, donc propriété. Là, je prends deux complexes, soit Z et Z', deux complexes non nuls. Et N appartenant à Z. Là, tel que Z est égal à R bon, θ et le Z' est égal à R'θ. Maintenant, c'est habitué avec cette nouvelle écriture là. C'est que juste à dire que le complexe Z est de module R. Et là, R est strictement positif. Attention, lorsque je écris comme ça, ça veut dire que le R, c'est le module de Z, qui est un nombre strictement positif. Le θ, c'est un argument de Z. Là aussi, la même chose, le R, c'est le module de Z'. Et θ', ce n'est qu'une mesure, alors un argument du complexe Z'. Première propriété qu'on a, c'est que le Z que multiplie Z' va être égal à R. Theta que multiplie R prime theta prime qui ne va être que le produit des modules, mais attention, et la somme des arguments. Bon, on voit que la démonstration est simple, elle se base sur la formule de transformation trigonométrique qu'on a fait l'année dernière, ce sera l'occasion de l'élaborer une deuxième fois. Deuxième chose, deuxième propriété, le 1 sur Z' va être égal à c'est 1 sur R'θ' qui ne va être que là, c'est 1 sur R' et là, c'est moins θ'. Troisième, qui va être conséquence directe de ces deux résultats-là, donc c'est le rapport de deux complexes. C'est le R θ sur le R' θ' qui ne va être que le rapport des modules, mais la différence des arguments. Voilà. Donc maintenant, passe à la démonstration. Bon, avant, j'avais oublié, quatrième, importante relation, là on a, quel que soit n appartenant à z, le z à la puissance n va être égal à r θ à la puissance n, qui va être r à la puissance n, et n θ, quel que soit n appartenant à z. Du moment que le complexe ayant vu peut prendre la puissance appartenant à
c'est les quatre grands résultats. Il en manque un, on va le traiter. Il en manque un, on va le traiter. D'accord, comme le bac. Donc là, avant que je passe à la démonstration, il paraît utile de rappeler certains résultats du cours de la première année. Donc, theta
cosinus, bien clair là, cosinus θ, cosinus θ' plus i cosinus θ, sinus θ'. Plus i cosinus θ, sinus θ'. Plus là, le i sinus θ, cosinus θ'. Plus i sinus θ cosinus θ'. Là, je passe directement, s'il vous plaît, là, on a le i, fois i, c'est i au carré, donc on aura, bon, j'écris quand même, donc là, c'est plus i au carré sinus de θ, sinus θ'. Maintenant, je vais essayer de écrire la partie réelle du second complexe acquis entre parenthèses et la partie imaginaire. Là, c'est réel, cosinus θ, cosinus θ', là c'est moins 1. Et au carré c'est moins 1, donc c'est le cosinus θ, cosinus θ', moins sinus θ, sinus θ'. Là, je factorise par le i. Et je vais avoir le sinus θ cosinus θ', là, plus cosinus θ sinus θ'. Et attention, pas que j'oublie, maintenant, grande parenthèse, qui fait celle-là. On revient maintenant aux formules de transformation. Donc, le cosinus θ, cosinus θ' moins sinus θ' ça ne va être que le cosinus de θ plus θ'. Et là, plus i, là aussi le sinus θ cosinus θ' plus sinus θ' cosinus θ, ce n'est que le sinus de θ plus θ'. Je perds la parenthèse. Là, donc pour achever, là je reviens à la réciproque. Lorsqu'un complexe s'écrit sous la forme R est strictement positif, R est cosinus alpha plus i sinus alpha, ce complexe est R alpha. Bien sûr, entre parenthèses, je sais quand même, le RR' est strictement positif, donc ce complexe ne va être que le RR' θ plus θ', ce qui achève la démonstration. Et on se verra dans la prochaine vidéo. Donc on se verra dans la prochaine vidéo pour, d'accord, continuer la démonstration. Là, donc j'ai dit, conclusion. Conclusion, Z, Z', c'est R, θ, que j'étudie, R', θ', c'est R, R', θ, plus θ'. Et on se rencontre pour la prochaine vidéo, pardon, pour continuer.